Salut tout le monde, c'est Hazard. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel sur After Effects après l'outro de Diablo X9. Donc, pourquoi après cette outro? Ben, en fait, j'ai décidé après chacune de mes créations vidéo de vous faire part d'un petit tuto, d'une astuce. Donc, là, en l'occurrence, je vais vous faire part d'une petite astuce sur la création d'un curseur et son animation. Donc, on va commencer. On va dans Composition, Nouvelle Compo. 1920 par 1080, 60 images par seconde, intégrale, et la durée 10 secondes. Voilà, donc j'avais déjà une compo ouverte, je vais la fermer. Donc, pour commencer, on va créer un fond. Donc, on va aller dans Calque, Créer, Solide, ou CTRL-Y. Voilà. Ensuite, on va créer un petit effet de dégradé sur le fond. Donc, on va aller dans Effet, Génération. Génération dégradée. Sinon, vous pouvez taper dégradé et faire glisser votre effet sur le calque. Voilà. Donc, le point de départ, on va le mettre au milieu de la compo. Et le point d'arrivée, on va le déplacer en dehors, assez loin. On va ensuite changer le type, on va le passer en radial et ensuite changer la couleur de départ et d'arrivée. Donc la couleur de départ, on va mettre blanche et la couleur d'arrivée grise. Voilà. Maintenant on va passer à la création du curseur. Donc pour ce faire, on va cliquer sur calque, créer, solide. On va créer d'abord un solide noir pour commencer. Voilà. Ensuite, on va sélectionner l'outil plume ou G. Et là, on va faire notre curseur un peu au pif. Hop, j'ai fait une bêtise. Ouais, donc, vous sélectionnez bien votre calque et ensuite, vous pouvez commencer à faire votre masque. Donc là, je vais faire une souris, je vais le faire un peu au feeling. Hop. Vous pouvez prendre une image, vous l'importer et puis ensuite vous la décalquer. Si vous avez peur de faire un truc tout moche. Ouais, là j'ai fait un truc tout moche justement. Voilà, on va le placer au milieu. Non, normalement il y a un côté qui est plus grand que l'autre. Ouais, normalement il y a un côté qui est plus grand que l'autre. Donc on va faire ça. Ça me paraît bon comme ça. Voilà. Donc ensuite, on va faire le contour en blanc. Donc comme j'avais fait dans l'outro. Donc on va créer un calque, créer, solide. Mais cette fois-ci, un calque blanc. Donc on vient sélectionner le blanc. Ok. Ensuite, on va faire glisser notre calque entre le calque noir et le fond. Hop, on le fait glisser. Et on va dessiner les contours à l'aide de la plume. Moi, je l'ai fait un peu à l'arrache, là. Et puis après, je vais les modifier. Voilà, je vais les rapprocher un peu. Voilà. Enfin. Ensuite, on va faire une précomp pour unir nos deux calques en un. Donc, à l'aide de la touche contrôle du clavier, on va sélectionner les deux calques. Et ensuite, on va sélectionner calque, précomp. On va l'appeler curseur.
et OK. Ensuite, on va double-cliquer sur cette pré-comp pour l'ouvrir. Et on va appliquer des effets d'ombre portée. Donc d'abord, on va sélectionner le premier calque noir, effet, perspective, ombre portée. On va appliquer un lissage de 25, une distance de 0, une opacité de 50, non, 70, allez. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, on va copier-coller l'effet, donc CTRL-C, en sélectionnant l'ombre portée, et ensuite on va sélectionner le calque d'en dessous, CTRL-V. Voilà. Le lissage, cette fois-ci on va le mettre à 50, l'opacité à 25. Ah, l'opacité, on peut même la... Je crois que le lissage, je vais le mettre à 70 et l'opacité à 20. Voilà. Nickel. Non, pas nickel. On va encore baisser l'opacité du dernier. On va le mettre à 10. Voilà, ça me paraît mieux. Lissage à 100. Hop. Voilà. Ensuite, on va baisser l'échelle de notre curseur. On va la mettre à 30. Même voire 25. 20. Voilà, 20, c'est très bien. Ensuite, on va changer notre point d'ancrage parce que le milieu, on le voudrait plutôt sur la pointe de la souris. Donc, on va déplacer notre point d'ancrage. Pour ce faire, vous allez dérouler les options en appuyant sur la flèche et encore sur cette flèche. Donc, on va sélectionner le point d'ancrage et avec les valeurs, on va s'amuser à déplacer. On va venir déplacer notre point d'ancrage au niveau de la pointe du curseur. Oula. Voilà. Enfin, quoique, c'est pas terrible. C'est bon. Ensuite, on va changer la rotation. Rotation qu'on va mettre à moins 90, moins 100. Ensuite, on va déplacer notre curseur en dehors de la compo. Donc là, on commence l'animation de la souris. On se déplace un petit peu plus loin dans la compo. Avec de la timeline. On va appuyer sur le petit chronomètre à côté de la position. Une première fois, on va se déplacer un petit peu plus loin de notre compo. Et on va déplacer notre souris. Donc on va déplacer à peu près un peu plus loin que le milieu de la composition. Donc voilà, essayer d'obtenir un écart à peu près égal à celui-ci. Donc on peut voir que notre souris s'anime. Elle avance toute seule, c'est magique. Mais bon, c'est pas terrible encore, on va essayer de donner une trajectoire un petit peu plus amusante. Donc pour cela, on va venir sélectionner l'outil de conversion de sommet qui se trouve dans l'outil plume. Voilà. Et on va tirer et tirer le point vers le bas. Le premier point vers le bas. Et le deuxième, on va venir l'étirer vers le haut. Voilà, on peut resélectionner la souris. On peut voir que le curseur a une trajectoire un peu plus amusante. Mais la souris ne tourne pas, donc c'est assez moche. Donc pour animer la rotation cette fois-ci, ben, on va venir cliquer sur le petit chronomètre au niveau de la rotation. Une première fois. Au niveau de cette première bosse,
va venir faire une rotation pour que la souris passe un petit peu en dessous de la trajectoire de la ligne de trajectoire. En plus au milieu plutôt. Suite à ce niveau-là, on va venir faire une rotation pour qu'elle passe cette fois-ci en dessous de la ligne de trajectoire. Puis à ce niveau-là, on va la faire passer presque au-dessus. Et à ce niveau-là, au-dessus de la trajectoire. Puis ensuite, on va faire passer carrément. Hop, on va lui faire faire un tour complet. Enfin, quasiment un tour. Un demi-tour. Voilà. Donc après, à vous de vous amuser avec les. Avec les clés pour avoir une animation fluide et propre. Voilà, je l'écarte un peu pour que la rotation commence plus tard, donc à peu près ici, à ce niveau-là. Donc la rotation elle commence là, elle se finit ici. On va l'écarter encore un peu. Voilà. Voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Je vais l'écarter encore un petit peu quand même. Je la rapproche un petit peu en fait. Voilà. Voilà, comme ça. Ensuite, on va animer le curseur pour qu'il fasse des rebonds. Donc qu'il revienne comme ça et qu'il s'arrête. On va faire un petit peu de physique quoi. Donc on va se décaler à peu près à 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 images. On va appliquer une rotation dans le sens inverse. À peu près au même niveau. Donc voilà. Et on va continuer jusqu'à ce qu'elle arrive, que le curseur arrive à 90 degrés comme ça. Donc. On refait la manip jusqu'à ce que ça arrive à la verticale. Jusqu'à ce que le curseur arrive à la verticale. Hop. Donc je fais ça à peu près. Hein. Vous pouvez mettre plus de temps et vous appliquer. Je vous le conseille d'ailleurs. Voilà, on peut voir que l'animation est assez fluide, assez amusante aussi. Mais bon, on peut voir que c'est pas très agréable à l'œil, les images elles défilent un peu bizarrement. Donc on va aller on va sélectionner notre compo, enfin notre compo, on va sélectionner le flou de bouger. Et ensuite sur le curseur, on va sélectionner encore le flou de bouger. Donc si vous n'avez pas ces options hein, de flou de bouger, il faut appuyer sur ce bouton, donc afficher ou masquer les options et modes. Et normalement, ça va apparaître. Voilà. Ensuite, on peut remarquer qu'avec le mouvement, la souris se floute. Ce qui va être plus agréable à l'œil. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu.